tu as fait. Au Congo, 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 Ozamba lobiye nanya koboya bambola Congo promo. Le mardi par la grâce du Seigneur. Nous avons parlé des bons messagers. Alléluia. Amen. Parce que après la Pâque, nous avons dit, tu dois être un bon messager de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et le vendredi, nous avons parlé de la résurrection de Christ qui nous a donné l'assurance. Nous avons dit pour ce vendredi que la résurrection de Christ nous a donné l'assurance que bien que nous pouvons mourir aussi un jour, mais il est vrai, comme Christ a été ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Nous avons dit, les chrétiens, ils font semblant d'oublier qu'ils mourront un jour. Or, c'est la seule vérité qu'on peut te rappeler pour te pousser à bien préparer ta vie de chaque jour. Et le vendredi, nous avons martelé, nous avons dit, la véritable résurrection, c'est aussi la prise de conscience à mener une vie de sainteté, puisque la vie de saleté, la vie d'hypocrisie, la vie du péché peut te faire rater le ciel, bien que tu aies marché avec le Seigneur pendant autant d'années. Jésus lui-même nous a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai, tu as commencé la vie chrétienne. Tu vas finir toujours chrétien. Je te pose cette question. Tu as commencé chrétien. C'est vrai, tu vas finir toujours chrétien. Parce que Jésus a dit, quand je retournerai pour prendre mon église, trouverai-je la foi? Or, nous les chrétiens, la seule chose qui nous maintient dans la vie des chrétiens, c'est la foi. Le chrétien ne vit pas par la vue, mais le chrétien vit par la foi. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, pour accepter, mais j'ai besoin d'accepter, de croire d'abord et puis je verrai. Si tu te dis, d'abord, quand je verrai Jésus venir, là je croirai que ces choses seront réelles, tu ne le verras pas. Tu dois d'abord commencer par croire et puis tu le verras. Oh, que je voie d'abord comment les gens seront enlevés, et alors à ce moment-là, je vais aussi croire. Je te dis, la lecture, la Bible nous dit, la prédication cessera. Il va arriver un moment, les gens chercheront qu'on leur prêche, personne ne sera là pour te prêcher. Et ce jour-là, tu te diras, au moins que je crois ou que je vois et pour croire. Or, tout le temps qu'on t'a prêché, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Quand on te prêche, il faut que la foi s'augmente. La foi doit croître. La foi doit grandir. Alléluia. Amen. Et ça, c'était pour le vendredi. Et aujourd'hui, nous voulons marteler sur un point encore très capital. Le thème de ce matin, je l'ai encore intitulé, la résurrection de Christ nous donne un nouveau pouvoir. La dimension de vendredi, elle nous a donné l'espérance. Mais pour aujourd'hui, elle nous a donné encore un nouveau
pouvoir. Et pensez bien sur les superbes pifoyasika. Qui peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans le livre des Thessaloniciens. Paul est en train d'exhorter le peuple de Thessalonique en disant: ainsi frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par la parole, soit par la lettre. Retenez les instructions. Tous les jours qu'on vient à l'église et on écoute la parole, ce sont les instructions que Dieu nous donne. C'est en quelque sorte on est en train de nous lire la constitution de notre royaume tous les jours. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Même moi là qui te parle, je ne connais même pas la totalité de la constitution de notre pays. Même quand les députés parlent là au article 54, ils ont ça en tête. Moi là je les regarde, je ne connais rien de la constitution. Or ce qui est bien avec nous, cette constitution a été tirée de la constitution que moi j'utilise. La loi de ce monde a été tirée de la loi de Dieu. C'est pourquoi tu trouveras dans la Bible, on a parlé des juges, on a parlé des rois, on a parlé des ordonnances, on a parlé de la loi. Alléluia. Amen. Et quand tu viens tous les jours dans la présence de Dieu, tu as la grâce. Puisque tous les jours que nous vivons, on ne lit pas la constitution devant nous. C'est pourquoi on ne la connaît pas. Ça peut te scandaliser. Il y en a plusieurs ici qui ne connaissent pas même chanter des bouts congolais. Si tu crois que je mange, je peux te pointer quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi nous, depuis l'école primaire, on a connu à chanter la zaïroise à l'époque de chaque matin à l'école, nous, quand on a grandi, avant d'entrer en classe, il y avait ce qu'on appelait salut au drapeau. Quand nous allons au salut au drapeau, on nous fait chanter un peu de Jalelo. Après, on chante la zaïroise. Chaque jour, on répétait la zaïroise. C'est pourquoi les enfants de notre temps qui ont étudié, tout le monde connaissait chanter. Aujourd'hui, dans des écoles, on ne chante même pas l'hymne national. C'est pourquoi nos enfants ne connaissent pas l'hymne national. Les Français ont dit ceci: la répétition, c'est la meilleure de la science. Quelque chose qu'on te répète tous les jours, tu finis par le retenir. La constitution de notre pays, nous ne la connaissons pas, puisqu'on ne nous la répète pas. Si dans les informations, journal télévisé, il y avait même une rubrique de 30 minutes chaque jour où on devait parler de la constitution. Un journaliste est là pour parler de la constitution. J'ose croire qu'on allait prendre conscience de mieux connaître la constitution. Qui connaît 10 articles seulement de la constitution? Zara honnête, n'a pas 4 n'a évité. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants du royaume,
Paul dit ceci. Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par la parole, soit par la lettre. Tout ce que nous vous prêchons, c'est la constitution de Dieu. Dieu nous a pris, il nous a mis dans ce monde. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a légué dans une ambassade. Nous représentons le royaume du ciel sur la terre. Et nous avons notre constitution. Nous avons notre manière de vivre par rapport aux lois de Dieu. Nous sommes appelés à retenir ces instructions tous les jours de notre vie. Pour réussir dans la vie sur cette terre et gagner le ciel, tu dois être à mesure de retenir toutes les instructions que la constitution céleste te dit. Qui dit amen? Amen. Vous savez, même selon la loi militaire, quelqu'un qui connaît déjà la loi, s'il commet une faute, il est puni sévèrement par rapport à celui qui est ignorant la loi. Vous savez ça? Amen. C'est pourquoi comme on a mbeba moko moko oyoyo civil oko sal bako géré yango bako traité yango tout bako jugé yo avec un peu de modération, avec un peu, mais ce qui militaire a sali yango, puisque militaire chaque jour le loko aliboso ba répéter la kaye bango na parade. La discipline, c'est la mère de qui? La discipline. Chaque jour, on te répète ça. Puisque chaque jour, d'abord, au soldat, il faut de la discipline. Amen. Or, nous, nous sommes les soldats de Jésus. C'est pourquoi on nous appelle les disciples. Or, dans le mot disciple, le disciple vient du discipulat. Discipulat vient de la discipline. Nous, nous sommes disciplinés par la parole de Dieu. Nous marchons selon la discipline de Jésus. C'est pourquoi au jour du jugement, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous connaissons la loi. Nous connaissons la parole. C'est pourquoi Paul a exhorté. Aujourd'hui, Paul n'est pas devant toi. C'est l'apôtre Josué qui exhorte. Pas le peuple de Thessalonique, mais le peuple des trompettes de vainqueurs. Retenez les instructions que je vous donne, soit par la parole, soit par la prophétie, soit par la révélation. Retenez toutes ces choses. Ce sont les instructions du Seigneur. Je pensais que tu vas dire amen. Amen. Ah, je pensais que tu vas encore dire un bon amen. Amen. Il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Écoute, je t'informe que Dieu nous a donné une consolation éternelle. Si toi tu continues à te faire des soucis, tu ne connais pas cette loi et cette constitution. Notre consolation n'est pas temporaire, puisque Jésus est ressuscité et notre consolation est devenue éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen pour confirmer cela? Amen. La consolation que Dieu t'a donnée est éternelle. Pour dire que tu es appelé à demeurer dans la consolation tous les jours. Cette consolation n'est pas venue des hommes, mais c'est une consolation qui vient de lui-même. Les hommes peuvent te blesser. Les hommes peuvent ne pas te consoler. Les hommes peuvent même ne pas te donner la joie. Ce qui compte, la consolation que j'ai dans mon cœur, c'est celle que Christ m'a
donné. Et c'est mon Christ a fait ça. En me disant Josué, je suis ressuscité. C'est quoi? Je te donne l'espérance de la vie éternelle. Je suis ressuscité. Même si tu meurs aujourd'hui, tu ressusciteras. C'est pourquoi le vendredi j'ai dit aux gens, ne craignez jamais la mort. Ne craignez celui qui peut donner la mort. Or, maintenant où je te parle, le seul qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort, c'est Dieu. Aujourd'hui les gens craignent la mort, mais ils ne craignent pas Dieu. Si tu as Dieu, qu'est-ce que la mort va te faire? Job dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Toi qui crains la mort, c'est pourquoi la mort t'atteint. Ne craignez jamais la mort. Je vous ai donné plusieurs exemples. Ne me le dites jamais, oh, puisque c'est la fin de l'année, je ne vais pas voyager. Amen. Depuis l'histoire d'aviation et Bandaki, tous ces jours, bah, crash et salemak. Soit crash et salemak, visant en rêve, en décembre, n'a pas voyagé. D'ailleurs, on a la loubation, on a avion, et l'on a le bosson, on a fendu. On a salé prière. On a vu que la paix, si on merci, puisque bah, tout le monde se l'a bénéficié de la sécurité, on a gagné là. Amen. Attaque au connaître mauvais temps. Nazalaka à l'aise. Namona va tourner bako marajite. Bamsou sou misisa et longi et stéleni. Bamsou bazu chapele bako mi gonini. Bamsou bazu sou tachbir sou bako mi gonini. Nazalaka ta kunate. Ngai na komi ko adorenza. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas peur de la mort. J'ai l'assurance que dans ma constitution, celui que je sais, il m'a dit je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Écoutez, quand tu es rassuré que ton voyage est déjà béni au départ, tu vas arriver. Tout le monde est dans l'avion, jour où on a mutunyo sa bini sanzambe lai. Amen. Au tout cas, on coûte dans la mauvaise tenté. Tout la maman s'est liée à la tout le temps dans les avions. Donc, puisque Zambé à l'Oba, on n'aura jamais pu faire la crash. Compagnie n'a pas tout bon, il va faire la crash. Mais yo, et puis, mon colo crash est salé, mon salaire qui programme à aucun de la vol one. Mais Zambé à retenir, yo. C'est ça notre Dieu. Yéwan en Zambé à Bissot. Quand tu as Dieu, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Église, je t'exhorte à avoir peur de Dieu. Craignez l'Éternel qui peut donner la vie et qui peut donner la mort. Ne craignez pas la mort. Et que dans les soins, tu es copain à lui, tu es pas un colo, tu es pas un colo, tu es pas un colo, tu es pas un colo. Alléluia. Amen. Au moins, il m'a dit que je suis malade. Crains le Seigneur. Ndengo banga. Banga kolo. Banga nzara. Amen. Il y a un voisin. Il y a un voisin. Il y a un voisin. Amen. Au moins, ndengo banga ka malade. Il y a un voisin agité. Banga nzara. Amen. Au moins, il y a un voisin ka malade. Il y a un voisin. Okomi agité banganza. Amen. Bobangi wana pesa monde nza. Amen. Job dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Yo babi on aza ko banga monde zukomela ngai. C'est pour dire que si je crains Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? So nazo banga nzambe nini okomela ngai. Kaka nzambe. Eh eh. Si je crains Dieu, qu'est-ce que nazo banga nzambe nini okomela ngai? Amen. Amen. Nabi bananzambe nzamba sanini. Akokomela yo. Retenez les instructions du royaume. Bomba penzambi beka bokonzi. C'est ce qui est essentiel. Yamwane za motuya. Et Paul dit, mais Paul za koloba. Et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Soyez consolés par des bonnes œuvres et par des bonnes paroles.
C'est pourquoi tous les jours que je serai devant toi, je te témoignerai de la bonne nouvelle et je te donnerai les bonnes paroles. Les bonnes paroles créent l'espoir. Alléluia. Amen. Les bonnes paroles créent l'espoir. Et les bonnes œuvres consolent les cœurs. Alléluia. Amen. Apprends tous les jours de ta vie à discipliner ton cœur à demeurer dans la consolation. Ne compte pas sur la consolation des humains. Église, Ecclesia, ne compte pas sur la consolation des humains. J'ai toujours exhorté l'Église tous les jours. Si tu as cru au Seigneur, avec l'idée de te dire dans ta tête, n'a qu'une dans l'Église pour baguer dans son anga l'Église, posa dessus. Amen. Amen. Posa dessus ma casse. Amen. Yaka na église ponzamba sungayo. Amen. Nalubi yaka na église ponzamba sanini asungayo. Amen. Batu nyonso bayaka déjà na vision ya onga na église baba na sungangai okozala dessus. Amen. Puisque ko sunga oyo satandra ki église sungayo batika lo sungayo te. Amen. Yesu nda sunga kabatu na kati ya iglesia. Amen. Nabi Yesu nda sunga kabatu na kati ya iglesia. Amen. Yesu nda sunga kabatu na kati ya iglesia. Amen. Enlève de ta dans ta tête cette fausse pensée. Makanisa mabewana. Alléluia. Anzamba pambola yo mama pona maboko wana betela ya ko ya biesko. Nalobi yo betela maboko zamba pambola yo. Amen. J'ai trouvé des gens dans des églises. On m'a déçu. Puisque tu étais venu pour que tu sois consolé par l'église. L'église a un maître. C'est le maître de l'église qui console. Puisque c'est lui à qui tu penses, c'est lui que tu penses qui peut te consoler. Lui aussi a besoin de la consolation. Nanga na besoin de consolation à Yesu. Amen. Nanga inazana besoin de consolation à Yesu. Nanga na besoin de lisungi à Yesu. Amen. Oh nanga na bino. Liloba oyo soki tozote yango, ezote ya biso nyonso. Ezotala mutu nyonso nanga na kati. Amen. J'ai besoin d'être consolé par le Seigneur. Nana posa pendra bondi sa me pas encore. Je me plains des chrétiens bébés qui disent oh, on m'a déçu. Le pasteur n'est même pas venu me voir. Laisse-moi te dire une vérité. Le jour où nous serons à 20 000, réellement j'irai dans toutes les 20 000 maisons. Laisse-moi te dire cette vérité. La seule chose que moi je combats dans ma vie, c'est de ne pas visiter seulement les gens chez qui tu peux entrer. Il y a une barrière. Tu comprends ce que je dis? Bah oui, bah ça la clôture, donc sur Ozoya Nzela. D'ailleurs, Nzela ici, si la gana na porte na bango. Donc Nzela, Ozo qui est donc ainsi Nzela, Ozo qui est pop, Ozo qui n'anda pas salon, na porte salon. Au moins Nzela, ce qui est pas na bango. Barrière T, clôture T. Na sala ka effort na sala pasteur ya kupona place ko kendete. Si je dois aller place ya barrière te na ke. Si je dois aller place barrière zali na ke. Mais makambo ko pona ndelo na bunda. Quand à dire tout le monde et pourtant et loko monene batu ba se plaignent dans les églises aujourd'hui c'est quoi? Pourquoi on fait le système ya ba cellule ba groupe ya ba maman département protocole sa ka bonde ko to yebana. Information est tambolaka de bouche à l'oreille au travers des départements, au travers ba maman, au travers où est comme la pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est l'erreur que les gens font. Au moment où Moutazo se plaint, na kanisa ki ke. On dit ma ki yesu na ko kanisa ki na église ba osunga yo aux huit déceptions. Yesu nda sunga ba. Amen. Et na yo ki esprit et singa na loga bloko. Amen. Yesu nda sunga ka ba. Bato. Paul exhorte que la consolation vient de Dieu. Paul exhorte que la consolation vient de Dieu. Qu'est-ce
qui me séparera de la mort? Puisqu'un frère n'est pas venu me visiter, puisqu'une maman n'est pas venue me visiter, je peux te scandaliser. N'akoka mwesayo. Nazwa ngai matanga ya koko nangai. Et puis nazwa matanga lisusu ya tantine nangai. Mutu akenda kotika kana matanga wana tina kasangule zanga mobali ya mama ali. Papa blesse. Yo yaka. Natuni yo oyaka. Yes. Omona na boyi kotea yo. Kupwana nozala kabongo. Natuni pwani nozala kabongo. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je peux arrêter de prêcher, me fâcher contre les fidèles pour bayer autant ngaté? Donc grandissons. Tokola. Retenons la parole et marchons selon cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à un cœur? J'ai parlé à un cœur. Toutes les fois que tu viendras à l'église, s'il y a un frère qui peut t'aider, s'il y a une soeur qui peut t'aider, c'est Dieu qui peut le toucher. Sauf comment l'oukabasu n'a eu ma case. Ozoa déception au bandeau milobela. Tika biloko wana. Sinon tu vas recommencer quoi yon de comme pierre d'achoppement à battre. Amen. Ah, je suis en train de parler après la Pâque, non? La zone va se mettre pas si cadet. Après la Pâque, on doit être des véritables chrétiens. C'est la Pâque qui s'est complétée par Christ et à solo. Alléluia. Amen. Puisque nous savons que le seul qui nous console, c'est Jésus. Peut-être que Bika Kamoka Bondi Sakabiso Esaïsu. Au tir là, comment on a été Ozo Bela? Écoute moi si bozala kana yo azo kipete. Mobali bozala kana a kipete. Ana lobi vérité moko. Amen. Olongali balango. Mobali va décevoir nga a kipeko bela na ngai te. C'est comme si a nomoni ngai te, c'est comme si nazate. Moi si nanga mo na comprendre te. Amen. Amutu. Tiganzamba consoler yo na libala wana. Amen. Na bitiganzamba consoler yo na libala wana. Oh, tu peux croire que même ton mari amènera la consolation. Les hommes que vous voyez n'amènent pas la consolation que toutes les femmes attendent. Il y a des vérités que j'aime parler. Le monde est dans la confusion. Ceux qui sont en dehors du mariage veulent y entrer. Ceux qui sont dedans veulent y sortir. Maintenant, qui veut aller où? Si on a un kenewapi, kenewapi. Ceux qui étaient entrés dedans, ils pensaient que dans le mariage, il y a la consolation. Ils se sont rendus compte que c'était une grosse bêtise. Il y a des femmes ici qui disent, « Soki na ebaka, mele na tanga na ngai na fanda, mele na osala, puisque libala, et même mele na te se gomote. Et la nibali po mazawa, peraloba, so na ebaka, mele na bala te na me fandela. » Fandela. Samedi prochain, nous avons mariage. Bibo. Amen. La vérité sera connue là-dedans. Alléluia. Amen. Je te parle de la vérité. Un mariage sans Jésus, c'est un échec. Tu vas échouer sans Jésus dans ton mariage. Mais un mariage avec Jésus, c'est la victoire. C'est la victoire. Dans ce mariage,
c'est Jésus qui console. Même si ton mari n'a même pas la consolation, même si ta femme n'a même pas la consolation, Jésus amène la véritable consolation dans ton église. Même si ton pasteur ne te console pas, Jésus de cette église va te consoler. Confusion totale. 3 heures, j'ai parlé au texto avec mon fils ici. Sur WhatsApp, il me dit, papa, c'est maintenant à 23h, c'est maintenant que je suis à l'hyper. Quoi? Nini. Tu travailles jusqu'à 7h. Écoute, réponse à ça. Papa, Moussalo, il est comme Sangai. Petit Nanga. On a la Moussala. Il pensait que Moussala est une consolation. Amen. On m'a dit que l'homme, l'homme n'a jamais été satisfait. Amen. Je compte même démissionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que nous pensons être une consolation, ça n'a jamais été la véritable consolation. La sœur qui a voyagé aux États-Unis, je parle avec elle presque chaque 2 jours. Elle dit, papa, la réalité, je me rends compte qu'au Congo, il y a l'argent. Elle rentre chaque jour à 23h. Elle dit, elle pensait que les États-Unis vont amener la consolation. Au décharger ma bateau. Bateau belé, bateau vimba, tokanisi santé, zoreza, otore, ba sac de farine de fromage à porc. Amen. À porc. Et loko ya bolamu kuna kolia eza facile. Logement eza pétété. Kofuta ba taxe eza pétété. Ya mwana informé yo. Naza. Amen. Banda ko kende. Siège na base. Awa. Ce que vous la rangaï qui n'a aucun na libéla. Nana bino. Amen. Alléluia. Amen. Frère pasteur, ce que vous avez dit, assistant de Rotigalava, Naza. Amen. Abina frère pasteur, assistant. Amen. Yon de na Rotinda, Nai. Niko Pan. Mazawa. Au moins, ma boy, amen. Na bang si bango. Ma pasta, hallelujah. Amen. Bon, wangani. Alléluia. Amen. La consolation n'est pas dans ce que nous voyons. La consolation est en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'accrocher réellement à Jésus? Il est la véritable consolation. Alléluia. Amen. Nabotabana. Pourquoi les César ont sous ça? Moi, je suis allé là, je suis papa na maman. Pourquoi je suis allé tellement, allé. Bon. Bosuki. Bon, je suis allé là, ensemble, na bébé. Pour dire que, on me tourne, na bote qui. Alléluia. Amen. Amen. Et un moment, on a à taba prophétisé, on a dit, 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 on a dit,
na sala ki changi na tindenge li Jean-Paul. Ay distrait ba ikangi. Alléluia. Amen. Goya masolo. Na ndo kanisa ke uzala na bane belende de succès. Zoka. Nous voulons partir à l'école pour tout le monde. Et alors, l'argent pour manger à l'école. Vous avez pu dire non. Ça ne suffit pas à la récréation, on doit encore manger. Est-ce qu'à l'école, on va pour étudier pour manger? On fait tout l'été. Les enfants de cette pluie. Les enfants, non. Alléluia. Amen. Tu vois que même les parents qui pensent que ça dans ça, je peux trouver la consolation. Moi, c'est le sozo bibé qui s'aboutou. Prenez ça que si les enfants sont à l'extérieur, n'a pas. Zoka, dépense y'a les bandes de l'église à cette place. Je t'ai dit, faire étudier les enfants en dehors du pays, la blague d'air. Amen. Naolo ba na yo vérité. Amen. Ah, moi 20 dollars, moi 50, moi 90 dollars au foot là-bas, les tonac. Ah, moi 150 au foot là-bas, les tonac. Et quand si kuna na poto so tini moi au foot là-bas, mbongo au foot là-bas, les tonac. Je suis en train de prêcher. Mais à côté il y a. Là où nous pensons que c'est là qu'il y a la consolation, on se raconte qu'il n'y a pas la consolation. Est-ce que ton cancer est bon de ces attentes? J'ai compris les choses. Envoyer les enfants dehors du pays. Et mettre Jésus dans la vie de ses enfants. C'est ça la consolation. Parce qu'il y a des parents qui ont investi dans beaucoup d'argent dans leurs enfants. Mais les enfants les ont déçus. Quand c'est pas un qui s'en va consoler. Moi, nous avons papa qui n'a 5 000. Moi, je suis régné à 5 000 ans. Allez, viens découvrir ma cambognon sur la photo. Yo, quand ça va, moi, je suis à Tanga. Je suis à Tanga, je suis à la boîte de nuit chaque jour. Combien de parents sont déçus, même à eux? Yo, quand ça va, moi, je suis à l'université, je suis à Kendaga bien, au moins, je suis à Bimi. Terminus, c'est la université. Mais au foot, tu as le transport chaque jour, au pèse à mon goût, au lit à yaye. Il y a mon aloubaka. Nzambe, yesu na katia bana. Nde toutine de bamona université, nan zambe, nde consolation. Amen. Bana sans yesu, mais moutou passe. Amen. Oh papa, maman, les enfants sans Jésus, moutou passe. Amen. C'est la vérité, papa. C'est Jésus qui est la consolation. Yesu n'est pas le bon décès. Qui dit amen? Amen. Qui dit encore amen? Amen. Et tu peux ajouter des bonnes acclamations sur ton amen. Écoutez ce que Marc nous dit. Marc nous dit ceci. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Personne ne peut ignorer cette histoire. Après la résurrection, Jésus, il a apparu devant d'abord les femmes et puis devant des disciples. Il y en a qui n'ont pas cru jusqu'à ce qu'il a montré même ses mains, ils ont cru. Mais ce que j'aime, après la résurrection, c'est après la résurrection que Jésus a libéré cette parole de puissance sur les disciples. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples, au 15e verset, il leur dit, allez partout
tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je dis à quelqu'un, après la résurrection de Jésus, tous les incrédules sont déjà condamnés. Au bangi kolobamen, nous allons incrédule. Est-ce que vous allez incrédule? Balobi, tous les incrédules sont déjà condamnés. Mais ceux qui ont cru sont déjà sauvés. C'est après la résurrection que Jésus a libéré cette parole. Il a dit voici. Quand on dit voici, c'est une présentation. Voici les miracles. Je dis à quelqu'un qui a cru au Seigneur ce matin, voici les miracles. Pas besoin de les voir, mais tu as besoin de croire qu'on vient de te présenter le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Jésus dit, ils parleront des nouvelles langues. Écoute, si tu étais dans une église où on ne croit pas au parler en langue, amen. C'est après la résurrection que Christ, lui-même, il a libéré cette parole. C'était une force qui nous a communiqués. Parmi les miracles, le parler en langue, c'est un miracle. Ndeko, ata lingalo lobaka po oye bango. Papa na yo na mama na yo babandaka na yo chaque jour bazolo bisayo chaque jour bazolo bisayo ndio bandiko lo babiloko moko zo yo kanate ti chaîne de fond lo ba makambo zo yo kan polo ba français il fallait que ndena classe coup de chapeau na ba maîtresse ya maternelle d'ailleurs na lo ba chaque jour ba tu fallait ko futa mbongo ebeleza de bango muto aye analphabète petit moko outi ni bumu donc fenea moko boe ta mutu aye kan école fand. On mais autant ici et petit, on a vraiment le français bien. Amen. Maman Marie coup de chapeau. Amen. Ça, la maman Marie, non, puisque c'est pas facile. Donc, même le français, il y a quelqu'un qui t'a appris ça. Il y a quelqu'un qui a appris qui nous saute pour attendre ça. Amen. Et brocate ça. Rondo Chaka, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? La quel professeur de l'université? Professeur de la théologie Nini, Akotombo la Moussabi, Watangi Sangai Maloba Oyo, Sobra Kenta Kusaba. Yamona lobi soki au côté église moko batiele libino tableau liboso et pas pasteur a komi kotangi sabino ra boloba ra ra ba ba longwa na église wana la langue de Dieu on l'enseigne à personne. Ça c'est l'œuvre de lui-même, ça c'est l'œuvre de lui-même. Personne ne peut enseigner une autre langue. C'est un miracle. Personne ne peut comprendre comment il a parlé en langue. Amen. C'est un miracle. Et ça dit comme ici. Jean-Paul Ouet. Na kotanga Congo église té. Osambe la côté. Olobami no kasika. 10 ans. Na intercession à l'église ouane. Na kosi. Dis non. Là où il y a le véritable Dieu et qui se révèle selon sa parole. Le parler à l'ancien miracle. Toi qui dis tu n'as jamais vécu le miracle na kamwa kayo. Puisque miracle est à l'ibosso et ça, koloba mino pasika oyo loba kawa. C'est un miracle. Amen. Tu ne peux pas comprendre ça. Un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Je vais te dire une chose. Matthieu 17 nous rapporte l'histoire des disciples.
Jésus a envoyé les disciples quelque part. Ils ont croisé une femme avec son enfant qui tombait d'épilepsie. Et les démons l'ont porté souvent même à aller se jeter même dans le feu. Les disciples ont chassé les démons. Ils n'ont pas su. La maman a amené son enfant devant Jésus. Maman a amené moi n'est pas Jésus. Il dit, maître, mon enfant tombe souvent. Il est secoué par un démon. Des fois, ce démon le pousse même dans le feu. Pour dire que moi, non, dans une cicatrice, il y a azikazikaso combien de fois. Ceux qui ont checké maïa ta maïa ti, bah des fois, on a la mouque, bah tindi qui, à qui t'as la maïa ti, azui. Dans une cicatrice, ça vous sert à quoi, vous sert à quoi? Yo chemba mula ozoze la ola belango ba demo baba mona moto te batindi kiye yeka place mono mwana na zakini aboko mona babula fandeli yango et la mama était dépassée. Elle vient devant Jésus en pleurant. J'ai supplié tes disciples à délivrer mon fils. Ils n'ont pas su le faire. Jésus les regarde. Il dit race d'incrédules. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Il fallait que Jésus soit mort. Qu'il ressuscite. À c'est quoi? Afin que le pouvoir des miracles nous soit donné. Oh my God! Oh, les mêmes disciples qui n'ont pas su chasser ces démons avant la résurrection, mais après la résurrection, écoutez, lisez les actes des apôtres. Pierre pouvait passer seulement. Son ombre guérissait. Les gens venaient avec des mouchoirs. Comme je prêche là, les gens venaient avec les mouchoirs toucher les portes de porte. On allait appliquer sur les malades. Le malade s'est révélé. Voilà les signes des miracles qui ont accompagné les disciples après la résurrection. C'est pourquoi ce matin je parle à quelqu'un. La résurrection de Christ nous a donné un nouveau pouvoir. Elle nous a donné un nouveau pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir des miracles. J'ai dit le pouvoir des miracles. Si et seulement si tu as cru à ce Jésus ressuscité. Ceux qui pendaient sur le quoi qui? Je t'informe qu'il y en a qui ont cru à un Jésus qui n'était pas encore mort. Quand il est monté à la croix, on l'a renié. Il pouvait dire Jésus a confirmé par maintes reprises que même les prophètes ont dit ça. Même au temps de Moïse, on a parlé de ça. Même toute la loi a parlé de cet homme. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire? C'est pourquoi après la résurrection, il s'est souvenu de l'échec des apôtres. Écoutez, même la force de la prière. Les apôtres étaient avec Jésus, ils n'avaient pas la force de la prière. Ils pouvaient prier avec lui. Jésus le regarde, il va se ronfler. Il se réveille et dit, vous n'avez même pas encore prié une heure avec moi. Vous dormez déjà. Mais toi, tu fais avec moi 2 heures en prière. 3 heures en prière. Tu es plus que Pierre. Tu es plus qu'André. Puisqu'après la résurrection, Jésus a libéré un nouveau pouvoir. Les pierres ne pouvaient même pas prier une heure. Mais après la résurrection, les choses ont changé. Premier miracle que Jésus a libéré, il a présenté ça devant son il dit, écoutez, ils parleront des nouvelles langues. Si tu te croises avec quelqu'un qui s'oppose au parler en langue, c'est un satanique. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît même pas la parole. Donne-moi un amen pour prouver ça. Amen. Si tu vas dans une église, on enseigne les gens à parler en langue au tableau. Ce sont les fauteurs. Ils ne connaissent même pas la parole.
Alléluia. Amen. Écoutez le deuxième miracle. Jésus dit, les mêmes gens qui ont cru au Seigneur, ils saisiront des serpents. Le serpent dont on nous parle, ce n'est pas ce serpent que nous voyons. C'est le serpent ancien. Celui qu'on appelle le diable. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez peur du serpent? Au lieu d'avoir peur de Dieu. Pourquoi vous avez peur du diable? Le diable, ne pas avoir peur. Il vient en face de toi. Tu le résistes. S'il faut le gifler. Au niquier, il fuira loin de toi. Mais si toi tu trembles devant lui, ce n'est pas le diable qui va te faire trembler. Dieu dit, comme tu as préféré trembler, moi-même je vais t'aider à trembler davantage. Nous, le pouvoir ou l'un des miracles que Jésus nous a laissé, c'est de saisir le serpent. C'est pourquoi je vous ai dit, nous ne sommes pas de ceux-là. Soki nyoka a telemisi ngomba o kimangomba o salango contour o si sta onponi. Ngombe telemi liboso na yo osala contour ya ngomba. Yoka. Ngombe telemi liboso bi bebe et biso o panzango. C'est-à-dire aucune direction à ngomba nyoka wana aucune direction na ye o panzango. Amen. Oh baki makangomba te ba contour na kangomba te baki makadiable te ba contour na kadiable te ba shonta kaye. Amen. Nalobi atra affronter le diable. C'est l'un des miracles que Jésus nous a laissé. Et ça monga bikam soye tatike la kibiso. Pourquoi nous avons je dis comme Paul, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pas n'importe quel Christ, mais un Christ ressuscité. Un Christ phénoménal. Après la résurrection, aucune barrière n'a retenu le Seigneur. Comment toi tu peux vivre avec un homme pareil? Quand tu vois, Dieu lui-même a exercé même Moïse devant le bâton qui était transformé en serpent. Il dit, saisis-le par les queues. C'est la queue plutôt. C'est pour dire quoi? Minimise. Parce qu'un serpent que tu tiens à partir de la queue, il va tourner la tête pour te mordre. Or, Dieu dit à Moïse, saisis-le par la queue. Moïse saisit par la queue, le serpent redevient un bâton. Sauf qu'au bangité, au tchèque en loboko, au commandant de pouvoir, ça aligne. Ah, kobanga kayete. Amen. Kobanga kayete. Amen. Au moins, soit vous continuez au bambou, pas sans akanda. Jusqu'à quand tu vas craindre le diable. Jusqu'à quand tu vas craindre les sorciers. Jusqu'à quand tu vas craindre les magiciens. Jusqu'à quand. Le pouvoir t'a été donné. La résurrection n'est pas seulement venue nous rassurer de notre résurrection, elle est venue aussi nous donner un nouveau pouvoir. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant la résurrection de Jésus, mais après la résurrection, on est capable de le faire. Oh, qui comprend ces choses? Amen. Jésus dit encore, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Défi Ezawan. Amen. Ça m'étonne. Ils ont commis ça. Vous voyez, le pasteur Songolo a couffé un poison. Vous voyez, regardez vos salaires. Les répétez-nous. Après, répétez-nous. Vous n'avez pas de l'eau dans le magasin. Donc,
Et ils ont été n'importe quoi. Imposteur, bon, empoisonné pour bien. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est pour dire que même les pasteurs ont perdu leur pouvoir. Dans la vision de Jésus, ce n'était pas ça. Après la résurrection, on y a dit un mot bien au nom de Jésus, on l'a dit. Et ça est l'autre. Ataba tchel le poison. Et ça est l'autre. Amen. Le loba Christ nyons. Laisse-moi te dire une vérité. Tu connais ce Solomon. Déjà, n'est-ce que tu confesses ça? Quand tu as un langage à miel, tu as confessé que tu as un poison. Amen. La vérité est que le solo est un peu de poto, histoire vraie. Bah, tu as un peu de condiment. Et pas na bango village na bango ezala ki kota kokati sa mwa rivière mukeza na po bazongi bateya bango konde majuru wana babetela bango disolo ya Jésus marcha sur les eaux bana wana bazaki misato mi bale balobi lelo toko sale la kondima bauti kotangisa biso toko tambola na likolo mai toko zonga na ndako toko tambola lelo na ponte lelo toko tambola likolo mai toza na kondima parce que batangisi biso kondima bakomi liboso ya rivière. Bah, comme il faut retrousser ma pantalon, bah, ça qui est un pantalon. Entre nous, ceux qui déjà ont un pantalon, ils ont le balin de ma couleur, la maille. Vous voyez comment on fait semblant de croire, on ne croit même pas. Au moins, de mettre à 40 dimensions de ma couleur. Ces enfants ont retroussé les pantalons. Bah, on a pantalon. Ils ont mis les pieds. Bah, le en disant, au nom de Jésus. Bah, comme on a eu. Bah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maille, la bango. Mon coeur a dit qu'à l'année, après sa nouvelle, ma koufa. Comme tu as été un bon dimagosa. Bon dimagate, yango yesu a évité sa disciple. Bon batounaye, après cette histoire, oh yesu, si quoi yo, puisque Jésus a réprimandé les démons en un seul mot, les démons sont partis. Pète yesu, ben 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 yesu, oh yesu, si quoi tu comprendre te, comment yo, comment yesu tu ben gana, et puis, ba kenda kite. Oui, mais réponse, yesu, ben yesu, ben. C'est à cause de votre incrédulité. Vous faites semblant de croire. C'est pourquoi tout le monde. Combien de fois n'a-t-il pas dit nos condiments? N'a vu beaucoup de vous sale la condiment. On se va séguer. Tu vois qui m'a dit ça et qui t'a comme même en parlant de lui. Nani a si à Kenda et pas ma commissionnaire en vie. Dit, na ou kalopango mou kwa 20 000 dollars, bon ou kelanga ina. Ozana un franc de, ou sale la kondima. Ou bandi déjà pour ça exercice entraînement, y'a mdingo pour négocier. Ok, penza place la zoteka. Ou bandi négociation, ozana mbongote. Oui, le pango est vraiment là, la boule à retomba, nous dire quoi étage. Pour compliquer bango après kondima, na ou lobi. C'est trop petit par rapport à ma vie, à la vision de la maison que je vais construire. Ou bien, ça va fonctionner. Bon ou kelanga msous. Si tout ça va aller, si tout ça va aller, si tout ça va aller, amen. Tout ça kitoko. Offrande, aller, si kitoko. Ça va aller, si tout comment vous êtes bengani mon limo kete à cause de incrédulité na bino. Naza na bino jusqu'à quand je vais vous supporter. Nous sommes aux nazo sala bon monate. Et forni nazo sala na sala la liloba. Vous ne pouvez pas croire à ça. Mais après la résurrection, cette puissance est de tomber sur. Kasi simanise kwa nengwane kwela ki bango. Je dis à quelqu'un, nous vivons après la résurrection de Jésus. Nous sommes un peuple qui vit après la résurrection. Ce pouvoir est à nous. Le miracle, c'est notre partage. Nous devons marcher avec des signes de miracles. Bachela yo poison au lié et ça les logos. Des miracles. Amen. Bachela yo poison. Dernièrement, Maya la Zoé Sangaï. Au moins, il y a un moment à puisque Mikolonion sur Patricia. Ma invitation, il y a un moment à la Benga Patricia, à Otina Maya. Dans l'église, il y a un moment à la Maya, à la Zoé, à la place, à la Poanine, à l'Iaki.
Et puis, bon, 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 heureusement, va détecter en quoi attend de l'obéza ou à Kibando. Heureusement, va détecter en quoi attend. Parce que nous avons tous les Nguya. A tous les Nguya. Amen. Nous avons tous les Nguya ou à Pesadiso. Amen. Pourquoi à gauche, à droite? Oh, il est mort de quoi? Poison. Parce que nous avons tous les Nguya poison, puisque nous avons tous les Nguya ou à Pesadiso. Bah, on confessait déjà poison. Matéa ou Talinga, elle n'a voyagé. Conseil à l'Ibosso, yoga babsous. Papa, Nicolo poison, tambla gana micro na yoa. Et puis, na somba tala bouteille à miel. Na koma na aéroport, bakangi à Mobalbi, oye ou le kana nini te, le kana nini te. Mon frère, écoutez, tu sais, vina bisou comme tantôt plus tôt, n'y a pas de tambla nango papa. Nan toma. Toma, tous ont le pouvoir. Amen. Non, Toma, tous ont le pouvoir. Amen. Oh, Toma, tous ont le pouvoir. Amen. Quand des gens ont confessé qu'au temps où on a mangé à miel, c'est où ils ont confessé? Mais si on a temps où on a gagné, où ils ont confessé? Monique, et Yokani Nanga na Katia. Amen. Nana loba maka monanga na bomba gate, yonde bomba. Nana loba yanga, puisque Nanga na zanga na loba di loba, oui, tali biso nyonso. Amen. Yonde kanisaka, apotra zote ya biso. Na te ya bino te, na te ya église, Nanga mona kati. Amen. Nous devons retourner dans le pouvoir que Jésus nous a confié. C'est une date son en apif, oh yes, ça pique. Si l'église retourne dans la puissance avec foi, ah non, les choses vont changer. Jésus dit ceci: le breuvage mortel ne vous fera aucun mal. C'est un miracle que Jésus nous a laissé après la résurrection. Nguya taya ni bloba na kati na yata 0%. Ma vie 0. Notre pouvoir, c'est même si on t'empoisonne, c'est l'autre. Amen. N'a pas qu'il en ambassade. Bah, j'ai la vie dans ma bière chasse. Na sabota yango. Etika kaka mwa bilembo na se alokolo. Etika nga ba tash tash place wana. Na totola totola mufule. Mamu yuwa miye. Vous savez tous les jours que vous dormez, vous savez les choses qu'on nous met là à l'entrée. Et puis on y va tirer sur Pentane et côté le Kona. Les dieux que nous avons en ces lieux neutralisent toutes les histoires, les fétiches qu'on jette là-bas, on enterre. Alléluia. Amen. Je connais celui que je sers, Yango Nazalakana. Tout ma grâce. Amen. Tout ma grâce n'a pas été pour Nangate, pour Nayesu. Pour ceux qui ont été. Alléluia. Lui qui est ressuscité, il m'a légué un pouvoir. Chaque fois que je lis la parole, elle me conscientise. Et bien, ça l'a rendu dose à tout ma grâce. Amen. Yambape nous dose à sikam tout ma grâce. Amen. Yambape dose à sikam tout ma grâce. Amen. Moutou ma grâce en a bien devant diable. Kobanakae, Zalara têtu. Amen. Nalobi Zalara têtu devant diable. Amen. Soralobi Salaboy. Boy Zalara têtu. Amen. Soralobi Kendeboy. Désobéir Zalara têtu. Amen. Moukolom Soussou, une histoire qu'on m'a racontée. Justement, Babé Tela Kingaï. Babé, diable. Akoutani na batumo kazo beta ma solo. Abina okama ba Christou, bazo accuse ngaï, me bazo lo bako, balingaga mingi nzambe, balingaga nzambe. Me ba alo kouta fort. Ou ba auto sangan fort, ba auto sans nzambe te. Ta diable. Abita ma solo. Aba Christou ba okosa, ba lo vi balingaga nzambe. Mais je ne sais pas si tu es là.
aké na bango na terrain approuvé. Si on mona au église, de là bo ndi makato sarandenga. Diable a tindi ba démon. Baké ba komi lo belaye na matoi. Ba tindi kai na mabé. Atosi ye wana ke. Ndé diable bi. Ah, on ko lo ba tosi nzam. Tout ça va être têtu devant diable. Amen. Quand on s'arrête, on s'arrête. Mais yoza, mutema de tinda kingai. Mutema de tinda kingai. Sore oye koli kolo. Vous savez, le pouvoir de la confession na ebi sarabino. Masumu soko sentir yango fo lobela kango. Il faut telme la kango. Bino boyo kaka sonya ko telme na masumu yango e domina kabino. Oh. Na lobi domine ma sumu na koloba. Amen. O sentir ango tele mina e ko minini e. Ba vie na muyi binga sias na kabana na ngoba. Kendo iba yo moko. Ba demo ba yo kaka. Na lobi ba demo ba yo kaka. Amen. Ba demo ba sani ba yo kaka. Amen. So ba ye ba zo chia wa masanji masanji er nyoso masanji er nyoso masanji. Ba vie na na sina bango e ko minini. Kendo yo moko. Pouvoir yako loba. Yo, na comprena kate. Na zo landa na radio. Tu sais, na nani na mutuka. Yo, ba, sujet de prière, bazo pesa na, na, oya zo kamba émission na radio ya, dini, oya ya la bonne. Frère, parlons à l'étranger, parole éternelle. Frère, na sengi nzambe, bo sambe le langay, parce que na ou comprendre te. Na zo bunda na tika masumu a ekobo, na zo zonge la kaka. Na lobi o frère Farcel. Quand les avons vraiment intention de prier au singa moto za yo moko telemelango. Frère nous sois bien ngapi na téléphone makambo. Ah na ibi tsoka za so za wa limisa na ngotanga yote. Ay papa, je sais que tu ne me connais pas mais moi je vous connais. Je vous ai suivi une fois à l'émission ce qui RTIV en tout cas na sepela na yo mingi na zwaki numéro. Yamona bengiyo papa na ligi oya osungana na prière. Donc en vérité na sali tout na kabona na ekobo ezo kangama na ngakaka eloko ezo kangama na yo sikabona na moyo nde. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière de l'homme de Dieu. Il y a des choses qui demandent ta volonté. J'ai dit, il y a des choses qui demandent ta volonté. Tu dois avoir la volonté de dire non. Na ko sambela, so ko zana volonté te okende frère, ko zonga. Frère moko volonté ko zwa kanda lelo. Na bi frère moko volonté ko zwa kanda lelo. Un frère Yves. Ko zwa kanda lelo. Un frère. O chele linga na photo na Facebook, na commenta ki ango tanga ki. Mais libre. Comment frère l'église nangai na ebi ki azalaka fiancé te a tchele nga photo na Facebook nanzele ya siya simbiye frère Yves kendo tanga komantero na salaki o tchele la kibiso to komanteko bata Facebook o tchele ki po to komante po Facebook eza biblie ya telemi nanzele na e awa na ote ya epi nanzele vi c'est mon pasteur. Yango na commenta qui en tant que son pasteur. Ngai so na moni bozoba na Facebook na bosunga yo. Seza na bawe baba ndo chela biso ba photo ya. Na sunga ni bango so moni balongoli longoli. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Si je ne dis pas la vérité, si on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore. Je dois parler, je dois parler. Bana koloba. Facebook est comme un macamou moussou, yo zolo gabilomo na yo, o salamo.
tiens un plateau. Et puis, à tiens un plateau, ndé azui apparaît, à kangia on a sens ya boy. Bon, et réseau là na Facebook au canisini. Toi admiré quand. Si les habilons va servir à Zosal, va dans la carte à Mangomba. Et cette vérité, on doit faire semblant pour ne pas prêcher. Je vous prêcherai la vérité. Naïvi que vérité. Oki mangate, olinga anga toujours. Olinga anga, dis la vérité. Amen. Après la Pâque. Tu m'as passé quand? Et vous soyez dans tout le monde, fiancé. Non. Moi, je suis là. Digo, yo la camarada na yo moko oyo alandi commentaire na ngai ndia seri. Ke. Ba frère mzuzu po sunga bango na main libre. So yo beti kaka ya main fermée bazoka te. Beti yer moko main libre et sungie. Omona na poko akosala tu akoti ya longoli photo wa. Yo ka vérité sunga. Nga na polo bana makambo na ngai. Er na zalaki na mobebu. Ngai na kanisa ki soki na chief photo ana esa elote na zangi na après côté na kende ki piscine na zone nager na chief photo ana ya na sana piscine un frère de l'église na bambola ye na alaksa bolingwa pasteur na ye azaa abingi ngai papa te photo ana te longola yango biso toza bana na yo to comprendre ba msu ba lobani yo kotika tolo na yo libanda te. Frère, Zamba Bambola yo. Et Bakisa considération jour où on a l'icolo et vie na yo la vie. Je ne pouvais jamais penser que ce frère peut me dire cette vérité. Écoutez, ne me laissez pas dans les erreurs, vous allez dire Ntoma. Soit qu'il y a une sale erreur, dites-moi la vérité, ça va m'aider. Amen. Frère, na Bamboli yo. Ok, Deliboso, vie na yo, mon clair. Puisqu'on corrige Anga. Si nous sommes équipés pour nous, nous avons une photo dans la piscine, dans Nairobi. Nous avons une Facebook. Frère, un frère m'a corrigé. Nous avons une photo dans la piscine. Si nous avons une photo dans la vérité. Amen. Il y a une vérité dans le combo de Jésus. Amen. Vérité peut changer la vie. Amen. Jésus dit encore, ils imposeront les mains aux malades. Bah, et les malades seront guéris. Écoutez, Église. Le miracle que Jésus nous a présenté. Tout ce qui est malade, tu as le pouvoir d'imposer les mains. La maladie dont il s'agit, ce n'est pas seulement la maladie du corps. La vie spirituelle qui est malade, tu peux imposer les mains. La vie financière qui est malade, tu peux imposer les mains. C'est pourquoi je vous ai appris à prier sur vos vies financières, à prier sur l'argent, à parler sur votre vie. Chaque vie a les oreilles. Natu na yo mutunu. Vie spirituelle est en akati. Netu yo yaka. Vous avez la mingi matériel didactique na yote point. C'est pour dire que prophétiquement, Zamba vous expose aux la matériel didactique et aux la pièce de référence pour avoir notre talaki. Amen. Ezaye ezayete. Ezaoyo ezayete. Amen. Donc, et comme notre tiamon bour mon bourgana na muto ba tupo ba ye ba ya solo yote. Amen. Quand on a un salaire de matériel, il matériel didactique. Et on a un bon. Mon livre, mon sang, tu es à Wabi. Nakati. Ce que tu as dit, tu es à Wabi. Tu es à Wabi. Tu es à Wabi. Ce que tu as dit, tu es à Wabi. Tu es à Wabi. Ce que tu vis financière, tu es à Wabi. Apprenez à vous imposer même la main. Parce que, elle a un salaire de matériel. Ou il y a un miroir, tu es à Wabi. Donc, yo, osam tu munene. Yo, na bambo liyo. Yo, kende liboso. Yo, osalan toma munene. Yo, na bambo la ye. Na ni tia kata no boko. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tout malade, que ce soit spirituel, matériel, financier, par
par l'imposition de vos mains, la vie va guérir. Et le miracle que Jésus a donné, c'est pour tout celui qui a cru. Nulle part on a écrit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs. Moi j'ai lu dans ma Bible. Je ne sais pas ce que ta Bible a dit. C'est pourquoi je t'ai fait confesser que ce que ta Bible déclarera, c'est ce que tu vivras. Moi dans ma Bible il est dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Si réellement tu as cru au nom du Seigneur, si tu as cru en Jésus ressuscité, toi aussi tes mains peuvent guérir les maladies. Jésus, tes mains peuvent guérir les maladies. Que cette puissance soit manifeste dans ta vie. Que la puissance des miracles soit manifeste dans ta vie. Que la puissance des miracles soit manifeste dans ta vie. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Après la résurrection, nous sommes appelés à vivre avec un nouveau pouvoir. Que mon Dieu bénisse sa parole. Tu peux donner des bonnes acclamations si tu le veux. Amen. Puisque Jésus est Seigneur. Oui, que Jésus soit dans le tu peux donner des bonnes acclamations si tu le veux. Alléluia. Amen. Laisse que le roi des rois vous bénisse. Laisse que l'éternel Dieu du ciel vous bénisse. Laisse que le pouvoir des miracles qu'il a libéré sur son peuple soit votre partage. Amen. À partir de ce soir, entrez dans votre pouvoir. Amen. Et utilisez votre pouvoir. Amen. Ne faites pas chômer le pouvoir des miracles. Amen. Je dis à quelqu'un, ne faites pas chômer le pouvoir des miracles. Amen. C'est ta part et c'est ta portion. Amen. C'est ta part et c'est ta portion. Amen. J'ai appris à prier pour les malades. Je n'étais pas comme pasteur. Quand j'avais appris ces choses, je commençais à m'exercer chez moi. Mon enfant est malade moi-même. Au moins, si vous avez des biloko, vous pouvez vous saler encore. Vous allez vous mettre à l'autre. Amen. Pasteur Aya Ayate. Amen. Il y a des choses que le pasteur doit faire et il y a des choses que tu peux faire toi-même. Les amis, quand vous ne pouvez pas te faire, vous pouvez vous faire un peu de salaire. Beaucoup de gens ont été faits pour les pasteurs. Somba qui s'y a beaucoup. Tiens, vous avez un peu de. Amen. Ceux qui ont beaucoup diabolique, elles ont checké pour s'accoler les amours. Pourquoi nous prions pour la nourriture à manger? Pas de tombeau de la première billet à manger. Donc prophétisera sur la nourriture. Amen. Prophétiser sur qui s'y a la nourriture. Ceux qui ont beaucoup de démons, allez, cacao, alia. Ici, yo, et bon, maïe. Ceux qui ont beaucoup de désordres, des olia, bilamba, et les kawa, et lia. Naza besoin d'un kim. Mais yo, 3h du matin. Pasteur, Mpukumoko, Wanaza Mpukumoto. Mpukumoto, ça la éboye, pas au fétenga. Si tu dois craindre même le rat, mais le jour où le diable seul va te visiter au cas où. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours cette histoire de Bénin, le diable a visité qui est. Mais à sabota diable n'a dinga mkete. Na diable a kamo. Parce que diable a mesana komona ke soga bimeli o lenga, o kanga, o lela. Ayoki kaka balançoire na boutou et zosala tchouin, tchouin, tchouin. A la mouki koutou moi si a pegi si a lobi rien. A ke na jardin a kouti moutou na moukongwa zosala tchouin. A tourne li bosso. Toi c'est qui à 7h chez moi? Ah oui, tu m'as tellement dérangé, c'est moi le diable en personne. Lelo na yeko si la nana yo. Le diable pensait qu'il y a ko ganga, mama bandambang. Atali a le bisia n'importe quoi. Je pensais que zasori moutou nina lunga, zoreza yo diable. Azonga sali ata au nom de Jésus te, au nom de Jésus. Vous comprendrez? A sabota diable. Diable sont sabotés à Zokamo. Pourquoi saboter donc? On a le pouvoir en dédié. C'est quoi? Yen n'a pas mis au banga. Yon n'a pas bangaka. Et l'on va le bosso. Maman, jour on a pas ganga ta yesute. Pasteur Abraham n'a pas gomba nyoka, bimera bango nyoka mnen.
na mungomba kawa. Si pe pasteur. Au moins nzamba pesa ki enseignement puisque bangaki. Bazo matana ngomba vers minuit. Nyoka munena biyeda za kina ba intercesseur ali boso. Nyoka munene a bimeli bango azoya ka na santé tala mutu asi ala moki bo. Pasteur aba matatu mabele aganga. Jura na ganga Yesu te. Aganga mama mina kufwa. Mama na kufe. Kaka ndenga confessaki basambe la butu wana te. Nyoka wana alimu waki. Baforse bakomi na ngomba sambe la te. Abela kolongwa ngomba na tongo ti hopital. Asala suki desimene na hopital na kuma bakomi chana mai. So ganga ki mama ole ganga Yesu. Eza histoire vraie ya pasteur Abraham. Aïe sarangai na zwa leçon. Quand le diable vient te terroriser au bangi, il frappe. Mais si tu le sabotes. Donc on voit qu'ici, hein, tu le sabotes. Mon épargne. Je conjugue le verbe saboter. Saboter diable. Saboter. Amen. Zamba pambola mutumwa kwa yoki message alelo. Amen. Nadi zamba pambola mutumwa kwa yoki message alelo. Amen. Que la résurrection nous a donné un nouveau pouvoir pour être photo tambola nango. Tika yete nzamba lola pambola yo. Amen. Tika yete semaine oye bandi e fongola yo bikuke ya sika. Amen. Tika yete ndenge tozaka kana effervescence ya kosekwa ya Yesu. Puissance ya sika oyo totangi lelo e accompagner bomo inayo na kombo na Yesu. Amen. Ba miracle nyonso Yesu alobaki pona ba oyo ba dimeli ye elanda yo na kombo na Yesu. Amen. Lundi e fongola yo bikuke ya surprise ya miracle. Mardi pe e offrir yo ba miracle. Amen. Mercredi pe e offrir yo ba miracle. Amen. Jeudi pe e offrir yo ba miracle. Vendredi pe e offrir yo ba miracle. Samedi pe e offrir yo ba miracle. Amen. Ata dimanche prochain e offrir yo ba miracle. Amen. Oya pe konguma mela nzambe na kotemoigner ye. Na pamboli après-midi mobimba lelo na sanctifier bilei okolia. Na pamboli baoba préparaki culte na prière na pamboli ba intercesseur na pamboli ba évangéliste na pamboli ba musicien protocole na pamboli ba mama na ba papa na pamboli prédicateur interprète na pamboli bana ekodim na pamboli ba kambi ekodim na pamboli bilenge ya basi na ya mibali na pamboli ba papa na ba mama na pamboli papa libala ya samedi prochain na couple Benoît na Narcisse na pamboli ba préparatif na bango nyonso Yesu na pamboli contre ya mongafula na selembao na ba église nyonso ya kotoyo na pamboli yango basali ya nzambe nyonso ya selembao mongafula na pamboli bango na pamboli Congo mobimba na pamboli Kinshasa na pamboli ba autorité ya biako yaki ya Congo mobimba autorité politique civile et militaire na pamboli bango na pamboli ba société nyonso ya l'état na pamboli ba société publique ba petite et moyenne entreprise na pamboli yango na pamboli Seigneur Israël na pamboli mabele ya Israël na pamboli population nyonso ya Israël na ba oyo bazana kati na ba baza libanda ba pambolama ba kambi ya Israël ba pambolama tika ete esakoli na yo pona Israël ekokisama pona lokumu na yo Zambe kanisa mukolo ya lelo na pamboli na cameraman na biso na pamboli équipe na ye tika ete papa nyonso musalo tozala ezala pona tosala ezala pona lokumu ya kombo na yo Nzambe merci pona oyo sali na oyo kosala lobi na mikolozo ya priero na otiko sala na sali ya ngonde na kombo na Yesu Kristo mokonzi na biso pe mobikisi biso nyonso tozoloba merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus allez dans la paix du Seigneur et bon dimanche okay, na kime na kolope e yinga malamu que mon Dieu vous bénisse au Congo au motivé Congo Congo au motivé Congo Ozamba lobie na nyako boya, pambola Congo, promo.